Allez, yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite game. Je vais vous... Enfin, on va découvrir ensemble les overboards. Vous allez voir... Ah merde, il y a mon stream qui vient de se lancer, yes. Tac. Alors, je vais faire qu'une game, donc elle sera pas forcément folle, la game, je vous promets. Mais donc, on est parti, donc, petite game de snowboard. Ce sera pas forcément un top 1, mais j'ai envie d'utiliser les snowboards et vous montrer un petit peu... Enfin, les overboards. En français, les aéroplanches, donc clairement le nom le plus pourri de la Terre. Et vous expliquer un petit peu mon avis dessus et pourquoi je pense que ça va être pas mal. Mais pas forcément cheaté. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est cheaté ou pas. J'ai une petite mode pour toi. Oh, c'est bon, j'ai un gros shield bro, t'inquiète. On est tombé avec Danny The Cat, c'est un français, il était cool, donc on va faire la game avec lui en duo complet. Et donc pour info, donc, déjà merci, première chose, merci les gars, parce que j'ai sorti une vidéo hier sur les 15 techniques en gros avancées. J'avais deux petites potes en fait pour toi. Ah t'inquiète, ouais, je suis full. C'est sur une vidéo sur 15 techniques vraiment très fortes sur Fortnite Battle Royale tout simplement. Et vous avez kiffé dans les commentaires, donc merci beaucoup, ça fait ultra plaisir et ça motive à en faire encore d'autres. Sachant que j'ai fait une map avec hein, pour pouvoir train. En gros on a bien bossé hein, que ce soit sur la map, sur la vidéo et sur les conseils. Donc que vous ayez kiffé, ça me donne envie de d'en faire encore d'autres. J'ai fait aussi une première vidéo qui s'appelait les 7 conseils. Mais allez la voir, vous allez... c'est vraiment des Fortnite de A à Z hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la série. Non pas encore bro. Pour ceux qui connaissent la série, c'est vraiment un peu des Fortnite de A à Z. Alors là on est là pour parler de l'overboard. Alors l'overboard, pourquoi c'est pas mal et pourquoi c'est pas si fumé que ça, etc. Déjà, en vrai, alors ce qui est bien, c'est que c'est... Ah, c'est... merci mec. Déjà, c'est en spawn fixe. Donc déjà, les endroits où on peut en trouver, c'est les endroits fixes. Donc déjà, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que y a pas de random. Ça va être 100% de win rate, de drop rate. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez à un endroit où il est censé y avoir un overboard, et bah il y aura un overboard. Donc ça déjà, c'est vraiment cool. Merde. Hop là. Autre chose. Oui, on peut sauter avec. On peut faire plein de trucs en vrai hein. Mais c'est pas aussi cool, je trouve, que le quad. Pourquoi je trouve que c'est bien? Parce qu'en fait, des fois, c'est la zone. Le wifi en haut là, ça me fait pas avoir ça. Ouais, non, je sais pas. Moi non plus, ça y était pas. Avant, il y avait que le quad. Il y avait que le quad et. Comment ça s'appelle? Et l'avion pour pouvoir roter sur les zones. Et maintenant on a en plus le comment ça s'appelle l'overboard. Et c'est plutôt cool parce que les avions en général, les mecs qui jouent que les avions, ils vont les prendre instant et tu les auras jamais. Hop là, prenons ça au cas où, hop là. Tac. J'ai pas d'air par contre. Moi non plus pour l'instant. Merci pour le sub bro, bienvenue à toi. Merci beaucoup l'ami. Je remercierai tous les subs tout à l'heure. On va fermer vite fait un petit peu de structure. Alors vas-y, je vais reprendre le warboard, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors c'est pas aussi skillé je trouve que le quad en tout cas ça a pas l'air. Après à voir, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas encore trouvé. C'est ouf quand même le hasard hein. Ouais j'avoue. J'avais pas beaucoup de chance de tomber sur un mec qui fait des vidéos. Eh bah mec ça fait plaisir. Ah ok. Donc vous voyez on peut sauter et après décoller. Et en gros tu t'envoles vraiment pas mal dans les airs. Donc alors vous voyez derrière là il y a la barre verte, c'est un peu comme le quad en fait hein, c'est la barre qui est là. C'est la barre en gros de est-ce que votre boost est chargé ou pas. Et évidemment l'idée c'est quand vous utilisez votre boost vous pouvez rien faire hein. C'est quand vous pouvez utiliser ah il y a des mecs chez moi bro. Mais sinon quand vous utilisez pas votre boost vous pouvez et bien tout à fait tirer sur le sur le véhicule. Yes. Oh putain sa mère. Alors le problème c'est quand on vous descendait du truc, vous avez une seconde pendant lesquelles vous pouvez rien faire hein. Donc ne rien pouvoir faire pendant une seconde, en vrai c'est bien relou. Donc c'est ça vraiment le défaut du truc. Après c'est normal hein, il faut forcément des défauts. Alors est-ce qu'il y a... Non j'ai pas d'explo. Si j'ai des explos. Hop là. Mais c'est pas nous les snow en fait, un palette à moi. De quoi? Les snow ils spawnent où exactement? Il spawnait à côté de l'avion. Oh la merde, attends, je peux mourir là. Alors, c'est difficile pour moi de parler et de jouer en même temps, sachant que je suis un peu tout talk. Alors. Ok, il est dans le blanc, il est très mal. Ok, nice. J'arrive. Je sais pas où il est descendu. Ok, je le touche. Tu touches peut-être son pote. Ah ouais, c'est vrai. Et lui, je l'ai touché quand même. Moi.
Il a plus de vie, hein. Crah, c'est galère pour moi d'écrire et de parler en même temps. C'est tellement difficile pour moi de parler, vu que je suis en plus TikTok et que j'ai pas l'habitude. Oh merde. Oh bien joué, bro. Désolé, j'ai eu peur qu'il te finisse. Ah, t'inquiète. Il avait des pièges aussi, donc en vrai, c'était chaud. Non, non, t'as bien fait. Là, il y avait du loot, je crois, hein, gros. Et donc ouais, la planche elle était loin par contre, hein. Elle était en haut de... Tu sais là où il y a les avions. Mais après je pense qu'il y a, ouais. Il y en a partout je crois normalement, hein. Normalement il y en a partout. Je vais voir, mais je pense qu'à mon avis, ils ont sûrement dû en mettre... Attends, je vais voir, mais je pense qu'ils ont sûrement dû en mettre en haut là. Il y a des champis si tu veux ici bro, mets-toi bien. Donc ouais les champis bon qui mettent bien, mais... Donc ouais je pense que la nouvelle méta ça va peut-être de pouvoir farmer comme ça tu vois. Genre farmer en avançant avec le truc et mettant des coups de pioche. Après, je trouve que tirer sur la board, bah c'est pas mal, mais comme tu peux pas être en pleine vitesse, bah en fait c'est pas aussi fort que ça. Parce que, ah ouais, y a une planche ici. Ouais. Voilà, j'ai l'impression que c'est tout dans tous les camps de. Comme ça, genre. Y a les planches. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment des planches à chaque fois, à chaque camp un peu ouais, comme as. Les camping-cars là. Ouais, en gros, là, là où y a les quads, j'ai l'impression qu'il y a les planches quoi. Et vers les camping-cars. Ouais, ouais. En mode, c'est les vacances, c'est l'hiver quoi. Ah, y'a un. Ah, il est. Bon, ça va pas rester ça du coup, d'après ce que j'ai vu là. Je sais pas. Wow, il a disparu carrément, genre. Ah, y'a un mec sur moi. Attends, j'ai entendu une planche. Ah, ça s'entend de ouf. Je sais pas si c'est toi. Je crois pas que c'est moi, hein. Ok. Bah là, on a vu clairement le problème des planches, quoi. Hein. Tu peux te faire laser comme un porc. Le mec, il était mal là. Y'a un deagle si tu veux. Non, c'est ok. Je vais prendre ça. Hop là. Bah, c'est plus les maths. Par contre, ouais, y'a. Non, je sais pas. Mais ouais, du coup, les planches, je pense que ça va vraiment être pas mal. Mais pour le coup, c'est tellement facile de se faire laser dessus. Je sais pas combien de vies ils ont les snow par contre. Je l'ai foutu 5 et quelques. Je sais pas. Ils ont pas si le HP que ça de base. Mais viens, y en a un 9 là. Pourquoi prendre une occasion quand on en a des nouveaux là? Non, là contre la. Ça contre va, le. Camping car. Peut-être y'a moyen, je pense, de farmer en se déplaçant ou quoi. Ah, c'est une piste noire là, mon gars. Je vois personne. Ouais, c'est ça. Tu m'as tué. Ah oui, ça se déchausse quand vous tombez de trop haut, mais y'a pas de dégâts de chute. Donc, vraiment, pas de dégâts de chute, c'est vraiment stylé, je trouve. Piste noire. Tu m'as tué. T'aimes le Space 12 là, je crois pas. Non, vas-y, prends-le, t'inquiète. Hein. Moi, chasseur ou space 12, pour ah, moi, c'est la même. Sans moi. Oula, attends, j'arrive. Elle s'est pris dans l'arbre. Je sais pas où il est parti. Ok, il est là. Ah merde, il est son pote là. Oh putain, je l'ai pas eu. Ça va, t'en es bien sorti. Il a pris 2x30. Pareil, 2x30 pour son pote aussi. Mort. J'avance un peu. Putain, je me heal juste une petite pote, c'est comme ça. Nice, let's go bébé. Bien joué, bro. Je sais pas si je prends le lac. J'aime pas trop le lac. Hein. Ah moi je la kiffe. J'ai du mal, j'aime bien de loin, c'est un mode sniper, enfin coup par coup. En full elle est nulle. Ouais, quand tu veux fouler c'est nul. Non mais elle est nulle en full. Mais après moi je foule jamais à l'air quasiment. Ah ouais. Ouais, je trouve que c'est vachement dangereux parce que quand tu foules à l'air tu peux te prendre une balle de snipe, tu peux te faire fouler toi-même à l'air. En général je mets jamais plus de 3-4 balles genre. Sauf si vraiment le mec il a un HP et je veux tout lui mettre quand même. Moi c'est ça que je comprends pas, genre je vois des gars ils me foulent, genre vraiment ils me touchent tatatata. Et moi je vois que je foule, c'est toute sa silhouette et... Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas trop, il faut pas trop forcer sur le full parce que si tu foules, tu peux te faire reculer plus que tu vas reculer. Donc en vrai je pense qu'il vaut mieux genre tirer 2-3 balles, rewoller, retirer 2-3 balles. Enfin, tu vois, je veux dire, genre, je trouve que c'est souvent plus rentable. Surtout si y'a des mecs non? Ah non, peut-être pas. Ça y est, si tu te fais tirer dessus, en plus ça te. Merde, ça te déstabilise, je crois.
Ouais. Genre ta visée du coup elle est au taquet mal. Ah ça je sais pas si ça, si, je sais pas si ça joue ça pour le coup, mais je pense que c'est aussi psychologique, quand tu te fais enculer t'es un peu en sueur quoi. Ah bah, le stress ouais voilà. T'es d'où, t'es du sud? Ah ouais ouais, vers Toulouse. D'accord. Ah, j'aime bien Toulouse. Vers Toulouse, à Toulouse. D'accord. Vers Toulouse ou dans Toulouse quoi. T'es venu? Ah ouais, plusieurs fois ouais. Voilà. Y'a la TGS là-bas notamment. Ah y'a un mec sur moi. Ah oui y'a le TGS ouais. Ah j'arrive. J'étais au dernier TGS aussi. En tout cas, bah, les gars, n'oubliez pas Code Creators Card, les gars, si vous voulez participer tout simplement aux consoles. Hein, il est monté, je crois. Oh merde! Oh putain, j'en ai vu un en skate, il était en skate? Ouais, ouais. Ah merde, oh putain, il s'est barré de ouf. Ah, je les vois. Putain, Y'a d'autres mecs là, y'a. Attends, mais c'est un bordel! Y'a que les skateurs là! C'est un délire! Merde, ils l'ont tué. Y'a deuxième team encore. Y'a peut-être trois teams. Touché 28, la deuxième team. Ah putain, j'ai que 27 balles. T'as 27 balles de quoi? Derrière. Ok. Non, ça va. J'essaie d'avoir un visu sur lui. Pour qu'il y ait une petite balle. Y'a un mec en dessous aussi. Touché 31. Ouais, bien joué, fais gaffe, Bob. Fais gaffe parce qu'ils ont l'air de vouloir jouer safe. Y'a un mec en dessous de nous. Vas-y, j'arrive, attends. Là, je vais le faire tomber. Oula, gaffe, hein. Gaffe parce que tu vas peut-être manger un. J'ai peur, moi. Sois prêt à tout aller. J'en mets la pression. Ah, bien joué, le boss. Oh là 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 là. Ah putain sa mère. Ya bro, je suis le HP et j'ai essayé de t'aider mais c'était galère. Tu t'en sors? Ah ouais t'inquiète, je me sors. Ah, bien joué, bon. Parfait. Y'a un mec qui s'en rend, on peut le faire tomber. Ouais, je prends une pote. J'en ai une pour un, c'est bon. Gaffe, hein, l'autre il va essayer de nous shot. Ah, il a un. Ça sert à rien, il a un. Touché. Y'a un avion, gaffe. Ah, oh, le bâtard, il m'a touché. Oh non, my bad. Derrière moi. Oh non! Oh putain! Ah désolé, j'ai pris des risques de me faire backstab. Pas grave, c'était la fin, c'est plus grave. Bien joué, bro, c'était cool! La game était sympa. Well play, bro. Ouais, carrément. Merci à toi, bro. A bientôt. Ciao. Bref, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, désolé, j'ai joué beaucoup trop greedy parce que j'ai shooté sur l'avion alors qu'il y avait encore le mec derrière moi qui s'était caché tout à l'heure. J'aurais dû jouer plus safe et j'aurais jamais dû le finir. Mais enfin, tenter de shooter l'avion. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu attends, un petit peu pas, sur les. Ouais, bro, attends, laisse-moi 12 minutes et j'arrive. En gros, bah, n'hésitez pas du coup à checker un petit peu les overboards. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Moi, je trouve ça honnêtement pas mal. Je trouve que c'est pas trop fort, pas trop faible. Je pense que c'est bien pour fuir la zone. Je pense que tu peux te faire laser x1000. Ça va être marrant de voir les mecs rusher avec ces trucs là. Après, je pense que c'est quand même un peu fort pour pouvoir rusher les mecs en back. Enfin, en gros, imagine tu fais une tower, tu mets un skate dedans et tu entends les mecs fight, tu peux foncer dessus pour les backstab ou quoi. Mais je sais pas, je trouve ça plutôt ok en vrai, donc à voir comment ça va être géré, mais je trouve que ça va globalement, je trouve que c'est pas trop la mort. Je pense qu'une technique pourrait être par exemple de avoir un pote en skate et toi tu crées une skybase et lui en gros bah si jamais la skybase elle pète, bah il y en a un qui a un planeur et il est qui son planeur et l'autre il part en skate, ça peut être drôle, tu vois, je sais pas. Bref, portez-vous bien cet escalato, voilà, petite game un peu chill avec Danny the Cat, c'était une game my bad, j'aurais dû jouer safe à la fin, je suis un connard, j'aurais dû le top 1 au lieu de vouloir grid toutes les teamers qui y a un mec dans mon cul. Bisous tout le monde, c'est Scar, à bientôt, ciao, bisous. Et code Creators Card si vous voulez me soutenir et si vous voulez participer au console. À bientôt, ciao.